Oh, tu es déjà rentré? Putain, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Je squatte chez toi car j'ai perdu mon emploi et j'ai été viré de mon domicile. Bon, tu te casserais si je te laisse participer au prochain YOLO? Oui. Et de retour sur le plateau de YOLO. Aujourd'hui, mon invité est quelqu'un de très spécial, c'est vraiment un gars en or. Je l'adore, et c'est... Loris Millau. Wow. Donc, YOLO, vous connaissez la formule? Oui. Pas moi. Je vais improviser une musique, il va improviser un texte, et ensuite, une fois que tout ça sera fait, je vais essayer de transformer ça en vraie musique, en mettant des chœurs, parce que j'aime bien mettre des chœurs de temps en temps, ça m'arrive. Et pourquoi pas d'autres instruments, je verrai sur place selon le thème, parce que nous ne connaissons pas le thème vu que tout est improvisé. Ouais, absolument tout. Absolument. Et donc, pour ce faire, pour commencer, on va définir le tempo. Et Loris, ici présent, oui, va tirer les dés. Tirer le dé. Oui. Donc il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de triche. Regardez, nous avons bien un tempo de 150 BPM. De 15, tu veux dire? Non, mais après, ça va être impossible. Voilà. Eh bien, c'est parti. D'abord, la musique. Et donc, pour créer cette musique, Loris va foutre son doigt sur n'importe quelle note, et je devrais faire la musique à partir de cette note. Donc, je vais le prie. Foutre. Sur la septième, celle-ci. Celle-ci? Oui. La septième de la corde de Ré, c'est donc ceci. Oui. Ok. Ça m'a l'air de bonne aloi. C'est basique, mais ça fait le café. Et donc, pour passer aux paroles, eh bien, je vais utiliser ce dictionnaire. Tu vas prendre une page au hasard. Vas-y. Oui. Au pire, tu dis stop. J'ai aucune idée de comment on va faire. Dis-moi stop. Stop. Ok. Et maintenant, je vais fermer les yeux et choisir un mot. Nocratis. Égypte où les citoyens de Milet fondèrent un comptoir au 7e siècle. Jésus-Christ. Est-ce qu'on a le droit de changer un... Oui. Putain, tu me fais vraiment foutre mon doigt partout. Et maintenant... Merle. Merle. C'est un oiseau. Là, c'est un écrivain français marqué par la guerre et la déportation. Ah bon? L'écrivain Merle. Oui. Stop. Nouvel architecte français soucieux. Stop! Matraque, nom féminin, arme pour frapper en forme de bâton court, au bout plus ou moins renflé. Ouais, voilà qui est pour violer des... Il était l'histoire d'un enfant qui descendait la rue de son village. Si innocent et dépourvu. Il rencontra Gisèle, la voisine d'en face, qui lui dit « Oh, la belle matraque !» La matraque innocente fut prise au dépourvu. Elle accepta, et dans la main du policier, elle fit régner l'ordre.
Comment me direz-vous? Eh bien, elle qui était si pointilleuse sur la loi, la fit appliquer au malotru. J'ai plus d'inspiration, frère. Je vais faire un slam sur une matraque. Elle qui faisait régner la loi dans les mains d'un policier. Les jours ont passé, et les dérives avec. À se retrouver dans des endroits plus qu'inopportuns, la matraque se remit en question. Elle prit la décision de partir. Elle quitta son agent de la paix. Qu'advint-il de la matraque, me direz-vous? Eh bien, la matraque vit dans un petit village aujourd'hui. Un petit village du nord de la France. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Voilà, l'enregistrement a terminé. Je vais vous laisser avec la version finale de ce petit morceau après avoir parlé de la petite chaîne de Loris. Il paraît-il que t'as une chaîne? Oui. Oui, bah ouais. Je crois que tu as été mis au courant lorsque tu as joué dans les vidéos. Oui. De la dite chaîne. Oui. Et donc ça s'appelle Jambon Beurre en Vadrouille. Et Jambon Beurre en Vadrouille, ouais. Ça consiste en quoi, dis donc? Eh bien, simplement en des voyages sans le sou, en autostop. Voilà, il y a eu différentes personnes et la deuxième vadrouille, c'était en ta compagnie, aux Pays-Bas, qui était fort bien. C'est vrai. Donc allez voir, vous tapez simplement même les JBV sur YouTube, normalement ça trouve assez facile. J'aurais mis des liens dans la description, tout ça, tout voilà, ça. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous en fais également. Oui. Bonsoir. Je vais faire un slam sur une matraque. Elle qui faisait régner la loi dans les mains d'un policier. Au début, ça lui plaisait. Elle aimait ça. Elle se sentait utile. Elle se sentait forte. Le gendarme aussi. Les jours ont passé. Et les dérives avec. À se retrouver dans des endroits plus qu'inopportuns, la matraque se remit en question. Jusqu'au jour où elle se retrouva dans un endroit sombre et étroit. Elle savait qu'elle avait fait du mal. C'est alors. Elle prit la décision de partir. Elle quitta son agent. Elle prit la route et s'en alla loin à l'horizon. Qu'advint-il de la matraque, me direz-vous? Eh bien. Eh bien, la matraque vit dans un petit village aujourd'hui. Un petit village du nord de la France. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de musique et à développer. Est-ce qu'on laisse celle-là? Elle me plaît bien. Ouais.